Dans les années 60, Olga Ivanovna et Georg Ivanovitch Makeïeff, mes grands-parents, vivent à Lyon dans un sombre appartement plein de mauvais rêves. Premier théâtre pour moi que la chambre de ma grand-mère. Petite, alors je m'asseyais sur le parquet au seuil de sa porte, j'écoutais Olga et regardais ce qui, à la nuit tombée, se mettait à flotter de ses rêveries fantastiques, souvenirs de la guerre civile en Russie, de la perte d'un monde ancien, où elle convoquait, comme dans une fièvre, des spectres familiers et des fantômes, gens aimés et perdus, personnages fascinants et demi-fous. Ce qu'ils avaient fait l'un et l'autre, Olga et Georges, l'exact chemin de l'exil russe dans l'exacte année 2021, celle que retrace la fuite. Bien. Vous entendez ? Vous entendez, Sérafima ? Écoutez. On dirait qu'ils ont une crypte là-dessous. Oh, tout est si étrange. J'ai l'impression d'être dans un rêve, parfois, je vous jure. Des semaines que nous fuyons ensemble, vous et moi. Vous et moi. Et plus loin nous allons, et moins je comprends. Nous voilà échoués dans un monastère. Vous savez, dans ce chaos, tout à coup, j'ai envie d'être à Saint-Pétersbourg. Oh Dieu du ciel.
J'ai cru voir distinctement devant moi la lampe verte de mon bureau. Rêverie dangereuse, Sergueï Pavlovitch. Ne vous laissez pas aller à la nostalgie. Dans ces temps troublés, il valait peut-être mieux pour vous de ne pas quitter Pétersbourg. Non. Non, c'est irréversible. À la grâce de Dieu, on verra bien ce qui arrivera. Et puis, vous savez bien ce qui illumine ma route. Depuis que je vous ai rencontré par hasard dans ce wagon sous ce réverbère, vous vous souvenez? C'était il y a quelques jours à peine. J'ai l'impression de vous connaître depuis la nuit des temps. Penser à vous rend moins cruelle cette fuite dans les ténèbres d'automne. Je serai fier, je serai heureux lorsque je vous aurai conduite jusqu'en Crimée. Et confiée à votre mari. Vous me manquerez, mais votre joie sera la mienne. Sérafima, vous avez la fièvre? Non, non, c'est rien, je vous dis. Comment ça, rien? Si, si. Vous avez la fièvre, je le vois bien. Non, laissez, Sergueï Pavlovitch, ça va passer. Écoutez, madame. Madame, vous ne pouvez pas rester ainsi sans assistance. Au bourg, ils ont certainement une sage-femme. J'y vais. Non. Mais pourquoi refusez-vous, ma chère? Pas la peine. Voilà quelqu'un de bien énigmatique. Un mystère. Vous pensez que... Oh non, 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 moi je ne pense rien. C'était pour dire quelque chose. En ces temps de malheur, on voit de tout sur son chemin. Alors une femme bizarre qui accouche dans une chapelle. Vos papiers! Vos papiers! Je vous en prie, messieurs, mesdames, sortez vos papiers! Ils arrivent, les rouges, les bolcheviques, ils sont là! Les moines, un repère de démons. Hé, hey, toi, le pope, face de carême, où est l'escalier qui va au clocher? Par ici, par ici. Monte voir, camarade. Il y avait un feu en haut du clocher. Mais que dites-vous là, camarade soldat, camarade commandant, un feu, mais quel feu? On l'a vu dans la nuit! Dites, vous autres, si je découvre quelque chose là-haut, moi, Bayev, je vous bute dos au mur, tous, jusqu'au dernier. Et le vieux diable en chef aussi, lui, là. Vous faisiez des signaux au blanc, c'est ça? Oh Seigneur, mais qu'allez-vous penser là, camarade commandant? Et cela, c'est qui? Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'étrangers dans le monastère. Ce sont des réfugiés, des réfugiés. Camarades! Nous avons été surpris au village par des tirs. Nous nous sommes précipités dans ce monastère. Et il y a avec nous une femme sur le point d'accoucher. Barabantchikova! Mariée! Seigneur, Seigneur, éloignez-nous de ce calice au grand martyr Dmitri. Il est où ton mari? Allons, allons. Bien le moment et l'endroit pour accoucher. Toi, tes papiers. Les voilà. Je m'appelle Makrov, je suis chimiste à Mariupol. Tiens donc, vous m'en direz-t-on.
Ça manque pas les chimistes, hein, dans la zone du front. En fait, il faut que je vous dise, j'étais parti faire des provisions pour acheter des concombres. Oh, des concombres. Des concombres. Camarade Bayev. Rien à signaler au clocher. Par contre... Hein? Pas possible. Ça vient d'où? Sûr que je vous dis. Surtout qu'il fait tout noir là-haut, camarade commandant. C'est bon, allons-y. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Plus tard, les papiers. Alors comme ça, les moines, vous n'intervenez pas dans la guerre civile. Vous êtes tout à vos prières, les moines. Mais vous priez pour qui? Pour le baron noir, pour Wrangel, pour les blancs ou pour les soviets? Allez, va. On réglera ça demain. Ils sont déchaînés! Et vous avez remarqué, ils ont des étoiles à cinq branches! C'est à ne rien comprendre! Le district ici est bien aux mains des blancs! D'où sortent ces rouges? Il doit y avoir un combat pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre général Krapichkov n'est pas un général, mais un trou du cul. Oh, pardon, madame. Et alors? Quoi, et alors? On l'avait bien prévenu, Krapichkov. On l'avait prévenu par dépêche que la cavalerie rouge était sur ses arrières. Et lui, cet abruti, il a remis le déchiffrement de la dépêche au lendemain. Et il est retourné jouer aux cartes. Et alors? Et alors? Alors, il a ouvert à cœur. Ah oui, ça c'est intéressant d'ouvrir à cœur. Pardonnez-moi, madame. Vous avez l'air très renseignée. D'après les informations que nous avons, c'est ici, à Kertchoulan, que devrait se trouver l'état-major du général Tcharnota. Vous en savez des choses, jeune homme. Il était bien là, l'état-major du général Tcharnota. Et comment? Mais voilà, il n'y est plus. Et? Et où est-il passé? Il est allé se faire voir ailleurs. Voilà. Mais enfin, madame, d'où tenez-vous toutes ces précisions? Oh, il est bien curieux, le monseigneur. Permettez, mais d'abord, pourquoi vous m'appelez monseigneur? C'est bon, ça va. Mais vous me fatiguez maintenant. Laissez-moi tranquille. Bon monsieur, nous ne savons pas ce que le Seigneur Christ nous réserve encore. Et si nous serons toujours en vie cette nuit? Un incendie! Non! Ce sont des torches! Je crois! Je ne sais pas! Un Sérafima! Mais oui, monsieur! Ce sont les blancs! Oui, c'est l'armée blanche! Dieu soit loué! Nous sommes de nouveau entre les mains des blancs. Je viens de voir des officiers là avec des épaulettes. Comme là, l'intellectuel de malheur, des épaulettes. On n'est pas à Saint-Pétersbourg ici, on est en Tauride. Faut se méfier. Je te colle des épaulettes. T'es pas un blanc pour autant. Mais s'il s'était déguisé, le détachement. Mais écoutez-moi ça. On va se faire repérer avec leur carillon. Idiot de moine! Et toi, dis, les pantalons, ils sont comment, les pantalons? Les pantalons? Rouge! Oh, il y en a d'autres qui arrivent! Avec des pantalons bleus, avec du rouge sur les côtés! Du rouge sur les côtés? Non. Maintenant, vas-y, l'intellant, tu peux crier, tout est permis. À nous, les hussards! À nous, les cosaques! Colonel Brizard. Yuska. Krapiline. Oh mon Dieu. Grisha, mon Grigri. Oh non, c'est pas vrai. Tcharnota, tu leur as échappé. Et oui, vous entendez.
attendez, les gars! On a repris en rouge le général Tcharnota! Tcharnota! Ah non, mais quand je pense qu'on allait faire donner l'office des morts... L'office des morts! Raconte-moi tout! Ouais, allez, dis-moi, comment c'est possible? Yuska! Maliuska! J'ai vu la mort d'aussi près que je te vois. Je venais d'arriver à l'état-major de Krapiline et cet enfant de salaud me propose une partie de whist. Il ouvre à cœur et... Papa, papa, oh, la mitrailleuse. Papa, 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 c'est Boudjoni qui nous tombe dessus. Ils l'ont rétamé, démoli, désossé notre état-major, les rouges. Je tire partout pour me couvrir, je saute par la fenêtre, je file par le jardin de Barabantchikova. L'instituteur. L'instituteur rentre chez lui. Donne-moi tes papiers. Je lui dis, lui, paniqué, me tend un passeport, je me traîne jusqu'au monastère. Là, je m'aperçois que ce sont les papiers de sa bonne femme. Madame Barabantchikova. Oh, avec un certificat de grossesse. Les rouges sont partout, on me cache dans l'église. Me voilà, en train d'enfanter sous mon banc et... J'en entends un qui approche. Qui? Un commandant à Boudjoni, Bayev. Ah, bon alors? Je me suis dit, où vas-tu fourrer ton nez bolchevique? La mort t'attend sous cette couverture. Allez, viens voir là-dessous, camarade. Approche. Approche. On te fera des funérailles en fanfare. Et le gars, il a juste pris le passeport sans soulever la couverture. Pas mal. Viens. Hop là. Attendez. Je vais t'en soulever une, moi, de couverture. Qu'est-ce que... Ce serait bien le diable si j'en trouve pas un individu à pendre dans ce monastère, juste pour marquer le coup. Ces trois-là, les rouges les ont oubliés en filant. Toi, pas la peine de te demander tes papiers, à ta tignasse, on voit d'où tu sors. Krapiline, viens m'éclairer. Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est son éminence. C'est Monseigneur Africanus. Qu'est-ce que tu me chantes, espèce de Satan en robe noire? Mais c'est bien vous, monseigneur, comment êtes-vous arrivé ici? Oh, je vais vous dire l'affaire, jeune homme. J'étais à Courtioulane en train de bénir les corps de l'armée du Don, quand tout à trac, les rouges ont lancé l'assaut. J'ai été pris dans la nasse, mais grâce à la Providence, j'ai pu m'en sortir et filer. Et les moines que vous voyez m'ont fourni de faux papiers. Makeïeff, chimiste. Africanus, évêque. Le diable m'emporte si je comprends quelque chose. Tiens, une femme. Vos papiers, femme. Je suis la femme du ministre du Commerce, Korzoukhine. J'ai été bloquée à Pétersbourg. Mais à qui ai-je l'honneur? Comte de Brizard, commandant un régiment de hussards. Alors, Makeïeff, évêque. Barabantchikova, Tcharnota. Et madame Korzoukhine en personne. Mon mari, lui, est déjà en Crimée. Je suis partie le rejoindre. Voici mes faux papiers. Et voilà mon vrai passeport, à mon nom, Korzoukhine. Mille excuses, madame. Vous là, espèce de chenille en civil. Vous êtes sans doute le procureur du Saint-Synode. Non, 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 mais veuillez m'excuser, officier, je ne suis pas une chenille, je n'ai rien à voir avec le Saint-Synode. Je suis le fils du célèbre professeur idéaliste Goloubkov. Et je suis moi-même Goloubkov, privat docent à l'université, à Saint-Pétersbourg. J'ai dû quitter Saint-Pétersbourg parce que les conditions de travail là-bas ne permettaient pas de... Ravi de vous rencontrer. Merci. Ah non, je ne fume pas. C'est l'arche de Noé ici. Il faut se tirer d'ici. On les a vus, nous, de là-haut. On a tout un bataillon de rouges aux fesses. Boudjoni veut nous pousser à la mer. Notre armée bat en retraite. Il faut fuir en Crimée, nous placer sous la protection de... Roman Khloudov. Roman Khloudov. Oh, Dieu de bonté, quelle aventure! Vous avez des voitures?
Tambrizard, tu prends ton régiment, tu files sur Almanaïka. Tu les attires un peu vers toi, les rouges, puis tu vises à Babiaï. Là, tu traverses, quitte à te noyer. Moi, avec les Cosaques du Don, je marche sur le village des Molokans jusqu'à l'Araba et nous opérons la jonction. Tu pars à l'instant. À vos ordres, mon général. Vous attendez, les Blancs s'en vont. Il faut fuir avec eux, sinon nous retomberons en main des rouges. Sérafima, attends. Hé, Sérafima, répondez-moi. Qu'est-ce que vous avez? Mon général, emmenez-nous jusqu'en Crimée. Nous partons aussi nous réfugier là-bas. Sérafima Vladimirovna est malade. Elle, il faut l'emmener. Jolie comme elle est. Oh, si les rouges l'attrapent. Il faut partir, Sérafima. Écoutez, Sergueï. Sergueï. Je me sens vraiment mal. Allez-y seul. Je vais rester ici me reposer. J'ai si chaud. Quoi? Vous pensez pas? Non. Sérafima, levez-vous. Je vous en prie, levez-vous. Non, j'ai tellement soif. Je vais retourner à Pétersbourg. Qu'est-ce que vous avez? Elle a le typhus. Ouais, voilà ce qu'elle a. Sérafima, faut partir. Exact, madame, il faut partir. Krapiline, aide-moi à la soulever. Mais elle est... Emmène-la de force. Allez, on met les bouts. Où pars-tu, général Blanc? Ne défendras-tu pas le monastère qui t'a accordé l'hospitalité et la vie sauve? Quoi? Viens pas me bassiner, pipère. Fais bloquer les battants de tes cloches et enferme-toi dans ton souterrain. Adieu! Père Hegoumene, qu'allons-nous devenir? Les rouges arrivent et nous, Saint Troupeau, nous avons sonné les cloches pour les Blancs. Qu'allons-nous faire? Accepter la couronne du martyr? Monseigneur. Monseigneur. Où est Monseigneur? Monseigneur. 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 Il a filé, mon père. Il a filé sur une charrette. Oh. Pasteur indigne qui abandonne ses brebis. Il ne nous reste plus que la prière, mes frères. Alors, prions. Thank you.
d'état-major de Crimée. Deux points. Lâché par nos alliés polonais, anglais, allemands. Point. Mais voilà, chez l'ennemi, le commissaire du peuple Frunze n'a pas daigné remplir le rôle naturellement dévolu à l'adversaire. Il a attaqué Perekop. Point. Pour nous, ici, ce n'est ni une partie d'échec, ni la villégiature dans l'inoubliable résidence impériale de Tsarskoïe-Tchelo. Point. Signé Khloudov. Point. Oh, chef frère et attristé à notre commandant-chef. Venir le commandant. Le commandant. Voilà plus d'une heure que j'attends que parte le train blindé à Fitir. Que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, commandant? Mon général, le chef de la gare m'a indiqué que le train ne pouvait pas passer. Amenez-moi le chef de gare. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Voilà que les drames commencent, Golovan. Un train blindé paralysé sur place. Plein d'armes. Et qui ne passe pas? Personne ne nous aime, Tikhi, non. Personne ne nous aime. Et c'est le manque d'amour qui cause les drames, comme au théâtre. Il fume, ce poil. Non, mon général, il ne fume pas. Ah. C'est vous qui affirmez que le train blindé ne peut pas passer. Exact, mon général. Aucune possibilité avec la manœuvre à la main et avec le froid. Tout se bloque. Et ce poil aussi qui fume. Éteignez ce poil. Il fume. Il fume. Il fume. J'ai comme l'impression que vous pourriez avoir des sympathies pour les bolcheviks. Parlez sans crainte, sincèrement. À chacun ses convictions. Après tout, ne nous cachons rien, hein, petit malin. Vous n'allez pas me soupçonner, mon maréchal. Moi, moi qui ai deux enfants à charge, Olka et Pavlik, déjà du temps de Sa Majesté impériale Nicolas II. Olka et Pavli, qui sont encore tout jeunes, vous savez. Et 30 heures que j'ai pas dormi, je vous jure. Même que j'ai bien connu Rodzienko, le président de la Douma, vous voyez, qui sent penser comme lui. Et mes petits sont si jeunes. Lui, un homme sincère. Non, vraiment non. Ce qu'il faut, c'est aimer. Vous savez, Tikhi, je ne suis pas aimé. Envoyez-moi le génie qu'on me débloque cette gare. Vous, vous avez un quart d'heure pour que le train blindé ait l'autorisation du poste de manœuvre. Si dans ce délai, mes ordres ne sont pas exécutés, vous m'arrêtez le commandant et vous me pendez le chef de gare au sémaphore avec le panneau sabotage éclairé par-dessous. Mon maréchal, et mes petits? Il y a mes deux petits. Ils sortent pas encore tout seuls, les mioches. Chut! Une valse. Mon général.
Fyodor Fyodorovitch. Oui, je t'en supplie, Fyodor. Dans le Christ roi, vite, fais vite. Les convois pour Daganak, voie 4 et 5. Dans un quart d'heure, ils envoient le génie. Dégage-moi ça tout de suite, je t'en supplie. Vasya, Vasya, enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Karayevna, ma chère femme. Malheur des malheurs. Amène-moi vite Olka sans l'habiller. Olka? Eh ben, elle est où, cette petite? Olka! Olka, viens à ta mère! La division est de retour de Tchungar, mon général. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Khloudov, toi qui sors de l'état-major général, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Romain, faut que tu arrêtes. Silence. Général Tcharnota, vous laissez ici votre convoi et vous partez sur le champ pour la Komkarpov. Prendre position. À vos ordres. Tu vas où, Tcharnota? À la Komkarpov. Je viens avec toi. Ouais. Tant pis pour les blessés et tant pis pour la Sérafima avec son typhus. Yuska, tu risques d'y rester, tu sais ça. Et après? Voilà. Voilà la petite. Tu t'en sors, Christopher? Je vais la débloquer, cette gare. Merci. Je merci à toi. Vraiment merci. Je sois loué. Alors, chef de gare, il est passé ce train. Il est passé, mon maréchal. Tout à fait passé. Et que fait là cet enfant? C'est Oliashka. Comme je vous disais, c'est ma fifille, c'est ma mignonne. 20 ans de service que j'ai, Excellence, et j'ai pas fermé l'œil depuis 2 nuits. Charmante enfant. Elle joue au cerceau. Dans les jardins. Tiens, petite. Prends. Les médecins m'ont interdit le tabac. J'ai les nerfs à vif. Mais les bonbons n'y font rien, je continue de fumer. Mais prends, Olka, prends, il est gentil, le maréchal. Mais dis merci à présent. Merci. Je vous écoute. Général Khloudov, j'ai l'honneur de me présenter Korzoukhine, vice-ministre du commerce. J'arrive de Sébastopol. Le Conseil des ministres m'a chargé de vous questionner sur 3 points essentiels. En effet. Tout d'abord, je suis venu m'informer du sort de 5 ouvriers arrêtés sur vos ordres à Sébastopol et amenés jusqu'ici. Bien vu. Vous êtes arrivé à ce que je comprends par l'autre quai. Capitaine Golovan, veuillez présenter à monsieur le vice-ministre les individus appréhendés. Veuillez me suivre. Pour le premier point, la chose est réglée. Le deuxième, monsieur le vice-ministre, j'attends. Eh bien, le deuxième point concerne directement mon ministère. Des convois de marchandises de première importance sont bloqués dans cette gare. Je sollicite votre concours afin qu'elle se voie acheminée d'urgence vers Sébastopol. Quelle sorte de marchandises? Des fourrures pour l'exportation. Des fourrures pour l'exportation. À bord de quel train? Voici, lisez. Capitaine Golovan,
Faites amener sur une voie sans issue les convois qui figurent sur ce document, qu'on les arrose d'essence et qu'on y mette le feu. Troisième point, monsieur Korzoukhine, brièvement. Le troisième point, la situation sur le front. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il se passe sur le front? Des tirs au canon? Un poêle qui fume? Des cosaques du Kouban qui n'ont même plus de bottes? C'est le grand foutoir, voyez-vous. Et puis, il n'y a pas de cantine. Hein. C'est d'un ennui mortel. On est là, sur nos perchoirs, à moisir comme des perroquets. Alors retournez à Sébastopol, monsieur Korzoukhine, et dites bien aux planqués de l'arrière de faire leur mal et leur prière. Les rouges seront là demain. Et précisez-leur qu'il n'y aura pas de manchons de zibline pour les poufias de l'étranger. Des fourrures. Mais je vous en foutrais. Mais c'est inouï! J'aurai l'honneur de rapporter tous vos propos au baron Brangle, notre commandant en chef. Ah! Mais faites donc, ne vous en privez surtout pas, monsieur le vice-ministre. Le prochain train pour Sébastopol. Ah! Le train du haut commandement est entré en gare, mon général. Le baron Engel en personne. Monsieur, son excellence, le général en chef des armées. Messieurs les officiers. Longue vie à son excellence. Hurrah! Hurrah! Je requiers de son excellence la faveur de lui faire mon rapport seul à seul. Qu'on nous laisse. Monseigneur, je vais avoir un entretien confidentiel avec le général commandant le front. Excellent. Providentiel. Il y a 3 heures exactement, l'ennemi a pris Yushun. Les bolcheviks sont en Crimée. C'est donc la fin. La défaite. Devant le lâche retrait de nos alliés occidentaux et l'indigne trahison des Polonais, nous ne pouvons à présent que nous en remettre à la divine providence. Il vous faut prier pour la Russie, monseigneur. Pourquoi? Pourquoi, ô Dieu tout-puissant, nous envoyer de telles épreuves? Pourquoi à nous, des enfants de l'armée du Christ? Oh, que ta croix nous protège et que l'ennemi soit terrassé par les armes que tu bénis. Pardon! Pardon de vous interrompre, monseigneur Africanus, mais je crois que vous importunez le Seigneur Dieu en pure perte. Un sacré moment qu'il nous a lâché, lui aussi. On n'avait jamais vu ça. Le golfe du Sivak, pris par les glaces en plein novembre pour que les bolcheviks traversent la mer comme sur du parquet, mais c'est un miracle. Mais regardez, regardez, Saint-Georges en rit encore. Qu'est-ce que tu me prends, général? Arrêtez!
je désavoue absolument ces propos iniques. Et vous êtes manifestement malade, général Khloudov. Et il est bien regrettable que vous ne soyez pas parti l'été dernier à l'étranger pour vous faire soigner, comme je vous l'avais suggéré. Tiens, vous le prenez ainsi. Qui, selon vous, aurait tenu les positions au nord de Crimée avec vos soldats en loc, Excellence? Qui a dit à Tcharnota cette nuit de passer de Tchongar à la Komkarpov, musique en tête? Qui a ordonné des pendaisons? Oui, des pendaisons. Qui, selon vous, aurait fait ce sale travail, Excellence? Qu'est-ce que vous insinuez, là? Seigneur, pose tes regards sur ces hommes afin de les éclairer et de les affermir. Saint-Luc nous dit « Tout royaume divisé courra sa ruine ». Le moment est malvenu. En effet, pour... Il vous faut immédiatement retourner à Sébastopol. Tenez. À ouvrir sans tarder. Alors tout était dit. Tout était prévu. Ô maître, tu peux laisser aller ton serviteur en paix. Car mes yeux ont vu le salut que tu réservais à la face de tes peuples, Saint-Luc. Toujours. À vos ordres, Excellence. L'escorte. Le dernier état-major de l'Empire russe. Le signal! Donnez le signal! Le général Khloudov, commandant le front, va vous donner lecture des derniers ordres du haut commandement. Que le Seigneur Dieu accorde à chacun d'entre nous assez de force et de raison pour affronter le malheur qui frappe la Russie. Sachez, messieurs, que la Crimée est le dernier territoire qui reste à notre armée. Longue vie à votre Altesse impériale! Non, je n'aime personne. Je ne peux pas aimer. Je ne suis pas une jeune fille. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le comte de Brizard, commandant un régiment de hussards. Il a été blessé à la tête. À Tchongar. À la tête. À Tchongar. Excusez-moi, messieurs, vous êtes bien aimables, est-ce que vous dansez? Ils rejoignent mon wagon. Il part avec moi à Sébastopol. À Sébastopol, monsieur le comte, à Sébastopol! Non, je ne suis pas une jeune fille. On ne doit pas aimer, c'est banal l'amour et c'est une souffrance. Retrait, général! L'état-major est démantelé sur le champ! Repli sur Sébastopol! Capitaine Golovan, faites envoyer un aviateur auprès du général Barbovitch à la Komkarpov. Ordre immédiat de rompre tout contact avec l'ennemi. Ordre de rejoindre Yalta au grand trot. Ordre d'embarquer. Au général Fousekov, filez sur Féodossia avec ceux du Don. Et embarquer. Au général Kalinin, rejoindre la péninsule de Kertch avec les Cosaques du Kouban. Et embarquer. À Tcharnota. Rejoindre Sébastopol. Repli général! La Crimée est perdue! Retrait général des troupes! On est vainqueur! Thank you.
Tiltifus. Que qui parmi vous est Roman Khloudov? Laissez-la approcher. Khloudov! 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 Khloudov, c'est moi. Non, ne l'écoutez pas. Elle est malade. Nous avons fui Pétersbourg. Lui et moi. Nous fuyons sans cesse. Et pour aller où? Pour venir nous mettre sous la protection de Roman Khloudov. Khloudov! Khloudov! Toujours Khloudov! On le valait mon rêve, ce Khloudov! Et voilà que j'ai la chance de l'avoir en face de moi. Là, assis sur son tabouret, avec tout autour de lui des sacs qui pendent. Des sacs, des pendus, des sacs, bêtes féroces, chacals! C'est le typhus. Hein. Vous voyez bien, c'est du délire. Nous sommes du convoi. Nous voulons fuir. Ils arrivent. Ils arrivent. Les rouges. Ils vont tous vous liquider. Une communiste! Voyons, messieurs, non. C'est la femme du vice-ministre du commerce, mais elle n'a pas conscience de ce qu'elle dit. C'est intéressant. Parce qu'ici, quand les gens parlent consciemment, il n'y a rien de vrai. C'est la femme de Korzoukhine. Silence. Korzoukhine. Korzoukhine, l'homme aux fourrures. En plus, cette canaille a une femme communiste, mais c'est du pain béni. Qu'on me l'amène et vite, c'est Korzoukhine, s'il ne s'est pas déjà carapaté. Vos noms et prénoms? Ma famille revient à Korzoukhine. Vous êtes Paramon Ilitch Korzoukhine? Oui, c'est moi. Oh! Oh, Dieu, je suis noué! Enfin! Oh! Oh, vous voilà! Vous êtes venu à notre rencontre! Votre femme, Sérafima Vladimirovna, est venue de Pétersbourg à Sébastopol pour vous rejoindre. Sérafima Vladimirovna. Je vois cette femme pour la première fois de ma vie. Je n'attends personne de Pétersbourg. Oh, ça sent le coup monté. Tu me renies? Il me répudie, l'ignoble. C'est du chantage, ma foi. Qu'est-ce que vous faites, Paramon Ilitch? Non, c'est pas concevable. Quel aveu de sincérité. Ah, monsieur Korzoukhine. Eh bien, l'homme aux fourrures. Vous avez de la chance cette fois-ci. Allez, dehors. Écoutez, non, je vous en supplie, interrogez-nous. Je vous ferai la preuve qu'elle est bien son épouse. On emmène ces deux-là. Et interrogatoire. Allez, on les embarque pour Sébastopol. Attendez, nous sommes des gens éduqués. Hein? Bah, doucement. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Enfin, je suis avec Séraphine. Mais qu'est-ce que... Enfin, non, je ne peux pas même... Ah oh. Sur toute ma route... Je n'aurais rencontré qu'un seul homme digne de ce nom. Hé ! Krapiline ! Toi qui aimes parler, prends donc ma défense.
Sa gueule ! L'espèce de chacal ! Comme s'il suffisait de pendre des pauvres gens pour gagner la guerre ! Pourquoi t'as laissé massacrer les soldats à Pérecop ? Hein ? Bête de l'apocalypse ! Il n'y a que cette femme qui t'a tenu tête ! Elle a eu pitié des pendus ! Elle ! Mais comment on fait pour t'échapper à toi ? Dès que t'en attrapes ! Allez, hop ! Dans le sac, pendu ! T'es nourri de charogne, quoi ? Mon général, vous me permettez de l'éliminer ? Attends, Tikhi. Attends. Dans ce qu'il dit, il y a une vraie pensée sur la guerre. Il a du bon sens. Continue, allez ! L'écriteau ! Quel est ton nom ? Mon nom, mais pourquoi faire mon nom ? Personne le connaît. Krapiline, le planton, mais je te le dis à toi, Khloudov, tu vas bien finir par craver, chacal. Allez hop, dans la fosse, la bête féroce, t'es là, sur ton tabouret, mais tu vas pas tarder à te tailler comme les autres, tu vas foutre le camp à Constantinople. T'es bon qu'à faire pendre les femmes et mes talons! C'est faux, soldat. J'ai traversé Tchanga. Musique en tête. Et j'ai été blessé deux fois là-bas. Ta musique? Partout! En Russie, on crache de dessus! C'est mon nom là. Ayez plus pitié de Krapiline, mon général. J'avais perdu la tête, mon général. J'avais perdu la tête, mon au moins, Krapiline. Mauvais soldat! Tu avais bien commencé, et tu finis très mal. Tu te traînes à mes pieds. On me le pend, celui-là, hors de ma vue. Tous au train, messieurs, sans exception. Golovan, rassemblez l'escorte et faites préparer mon wagon. Ordre exécuté, mon général. Les agents de liaison. Repli sur Sébastopol. On file. On déteint. Ici, le général commandant le front transmettait au train blindé officier l'ordre d'approcher le front et de faire feu à volonté. De la volonté sur ta canaque. Et on les explose en guise d'adieu. Ensuite, on fait sauter la voie derrière le convoi et on file sur Sébastopol. Qu'est-ce qui me prend ? Je serai vraiment atteint. Je suis malade. Et de quoi je serai malade ? Je ne sais pas au juste. L'idiote, c'est Nikolayevna, mais quelle idiote, ma femme! La laisser sortir la nuit, la petite. Olga! Olga! Viens ici! Viens à ton papa.
Mais regarde pas là-bas, va. Asseoir. Je vous remercie. Vous m'avez l'air d'avoir une certaine éducation. J'ose espérer, Goloubkov, que vous saurez comprendre l'importance pour nous et pour le haut commandement de comprendre la vérité sur les faits. Les rouges font courir des bruits ignobles sur notre contre-espionnage. Nos services mènent en réalité une action difficile et des plus loyales pour la défense de l'État contre le bolchevisme. Partagez-vous cet avis, monsieur Goloubkov? Voyez-vous, je vous fais peur? Oui. Mais quelle idée! Vous a-t-on fait le moindre mal en vous conduisant jusqu'ici à Sébastopol? Oui, Non, je n'ai pas dit ça. Vous pouvez fumer. Je vous remercie. Oh non, je ne fume pas. Je vous en prie. Dites-moi ce qui lui est arrivé. De qui parlez-vous? D'elle. De Sérafima Vladimirovna. Mais si, vous savez, elle a été arrêtée en même temps que moi. C'est une affaire stupide, vous assurez. Elle a fait une crise. Elle est vraiment malade, malade. Le typhus, c'est une maladie... Comme vous êtes ému, calmez-vous. Je vous parlerai d'elle plus tard. Assez joué, les universitaires. On arrête ici la comédie. Espèce de salopard. Tu te crois où? Levez-vous, Goloubkov. Redresse-toi. Seigneur Dieu. Comment t'appelles-tu réellement? Vous me troublez. Je m'appelle bien Goloubkov. Est-ce que tu piges que tu es à ma merci? Personne pour venir à ton secours ici. Compris? Personne? Compris. Alors, on va se mettre d'accord. Tu vas me dire toute la vérité. Regarde. Si tu me mens. Oh, je branche l'aiguille. Et je te pique. Bien sûr que je dis. Silence! On répond quand on est interrogé. Vos prénoms et noms de famille? Sergueï Pavlovitch Goloubkov. Sergueï Pavlovitch Goloubkov, où êtes-vous domicilié? À Pétersbourg. Pétersbourg. Pourquoi avez-vous quitté la Russie des Soviets pour venir en territoire blanc? Je cherchais depuis longtemps à rejoindre la Crimée. Les conditions de vie à Saint-Pétersbourg ne me permettaient plus d'y travailler. C'est dans le train que j'ai fait la connaissance de Sérafima Vladimirovna. Elle aussi partait se réfugier là-bas, j'ai rejoint dans les Blancs. Dans quelle intention, la prétendue Sérafima Vladimirovna voulait-elle rejoindre les Blancs? Je suis sûr, je sais. Je,
Je sais avec certitude qu'est ce nom Sérafima Vladimirovna Korzoukhina. À la gare! Korzoukhine a déclaré devant vous que c'était faux. Je vous jure qu'il a menti. Pourquoi aurait-il menti? C'est un lâche. Il a pris peur. Il a flairé le danger. Il a... Non, 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 non. Je vous jure que je dis la vérité. Calmez-vous, monsieur Goloubkov, vous avez les nerfs à pif. Je ne fais que prendre votre déposition. Comme vous le voyez, rien de plus. Il y a longtemps qu'elle appartient au Parti communiste. Mais c'est impossible. Oui. 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 Écoutez, vous allez finir d'écrire ici, sur ce papier, tout ce que vous avez déclaré, je vais vous dicter. Hein? Ce sera plus simple. Je vous préviens que si vous arrêtez d'écrire... Je vous pique! Sinon, il ne vous sera fait aucun mal. Vous n'aurez rien à craindre de moi. Je sous-signais Goloubkov Sergueï Pavlovitch, interrogé le 30 octobre 1920 dans le local de la section du contre-espionnage de l'état-major commandant le front, déclare ce qui suit de point. Sérafima Vladimirovna Korzoukhina, épouse de Paramon Ilitch Korzoukhine et membre du Parti communiste. Ne vous arrêtez pas d'écrire. Est venue de Pétersbourg à Sébastopol à des fins de propagande et de liaison avec des agents clandestins. Ennemis. Avec des agents clandestins, ennemis, point, signé. Signé. Je vous remercie pour cette déclaration spontanée, monsieur Goloubkov. Je suis à présent convaincu de votre innocence. Pardonnez ma légère brusquerie, parfois. Vous pouvez disposer. Gourine Skounsky, raccompagnez cet individu. Il est libre. À vos ordres. Avance. Maintenant, Skounsky. À combien estimez-vous ce document? Combien donnera Korzoukhine pour se blanchir? Là, tout de suite, avant d'embarquer, 10 000 dollars. Une fois à Constantinople, beaucoup moins. Je vous conseille d'obtenir les aveux de la femme. Parfait. Trouve un petit prétexte pour retarder l'embarquement de Korzoukhine. Une petite demi-heure. Combien pour moi, Tikhi? Parfait. J'envoie les agents. Faites vite avec elle. Gourine, fais venir la femme, Korzoukhine. Elle est comment? Ça a l'air d'aller. Oh, vous m'avez l'air souffrante. Ce ne sera pas long, prenez place ici. Prenez ce siège. Dès que vous aurez avoué être venu à Sébastopol à des fins de propagande, je vous relâche. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Quelle propagande? Mais pourquoi, mon Dieu, suis-je venu ici? C'est quoi cette valse? Tcharnota, sur le quai avec les hommes. Ne changez pas de sujet, madame. Votre complice, Goloubkov, a avoué, lui, que vous étiez ici à des fins de propagande bolchevique. Vous sortez d'ici tous, laissez-moi dormir. Non, reprenez-vous, madame. Ah, Élisée. Pétersbourg, communiste, agent clandestin ennemi, mais il est devenu fou. À l'aide! À l'aide! On veut me tuer! Tcharnota! Tcharnota! Au secours! Gourine, Skounsky, reprenez-lui le papier! Vite! Oh, oh, merde! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est vous, général? Défendez-moi, général! Regardez ce qu'ils me font subir! Mais regardez ce qu'ils ont forcé Goloubkov à écrire contre moi! Vous êtes prié, général, de quitter illico les locaux du contre-espionnage! Illico les locaux? Et puis quoi encore? Dites, qu'est-ce que vous faisiez à cette femme? Skounsky, fais venir la garde! Je t'en foutrais! De la garde! Qu'avez-vous fait à cette femme?
plaisanterie va vous coûter cher, général Tcharnota. Alors, colonel, comment ça va, la tête ? Plus de douleur, Excellence. Les médecins m'ont donné du pyramidon. Du pyramidon ? De l'aspirine pour... Selon vous, Brizard, est-ce que je ressemble à Alexandre le Grand ? Voilà un moment que je n'ai pas vu un portrait de son Altesse. De qui parlez-vous ? D'Alexandre le Grand, Excellence. Son Altesse ? D'accord, ouais, d'accord. Sachez, colonel, qu'il vous faut prendre un peu de repos. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir au palais. Vous avez remarquablement servi votre patrie. Mais il est temps maintenant pour vous de quitter la place. Où dois-je me rendre ? Embarqué. Colonel, embarquez. Je m'occuperai de vous une fois arrivé à l'étranger. Pardon ! Dès notre victoire sur les Rouges, je serai le premier à rendre les honneurs à votre Altesse au Kremlin. Vous êtes un peu excessif, colonel. Vos visées sont ambitieuses. À présent, je vous prie, veuillez disposer. Vous ferez entrer toutes les 3 minutes. Je vais recevoir autant que possible. On accompagne le comte de Brizard à mon bateau. Et faites savoir au médecin du bord que le pyramidon n'est pas, en l'occurrence, le traitement approprié. Altesse. Le comte de Brizard a manifestement perdu l'esprit. Alexandre le Grand. Quelle canaille !
C'est à quel sujet, monsieur? Korzoukhine, vice-ministre. C'est au sujet de mes convois de fourrure pour l'étranger. Oh, oh, mais vous tombez. Très bien, monsieur Korzoukhine. Eh oui, je comptais vous faire appeler, malgré le chaos qui nous entoure. Monsieur le vice-ministre. Est-ce que je ressemble à Alexandre le Grand? Je vous pose une question sérieuse. Je lui ressemble, oui ou non? C'est bien vous le rédacteur en chef de ce journal? Vous êtes responsable de tout ce qui s'y écrit, non? Le commandant en chef parcourt le quai de gare semblable à Alexandre le Grand. Que signifie cette ineptie? Des quais de gare à l'époque d'Alexandre le Grand? Oh, et alors comme ça, je lui ressemble peut-être. Poursuivons. À seulement regarder son visage joyeux, le doute sur notre victoire contre les rouges vole en éclats tel un ver rongeur. Ouais. Vous avez déjà vu un ver rongeur qui vole en éclats, vous? Et alors comme ça, j'ai l'air joyeux. De quoi? Oh, de la défaite. Oh, de la catastrophe. D'où vient ce remugle de désinformation rédigé par des analphabètes, monsieur Korzoukhine? Comment avez-vous pu laisser rédiger cette saleté de mensonge 2 jours avant la débâcle? Alors, je vous ferai passer en jugement à Constantinople pour manipulation. Et ça, croyez-moi! Prenez donc du pyramidon, tiens. Si vous avez perdu la tête. Ah bah, je vais pas voler, celle-là. Qui m'a pris de venir me plaindre de ce cinglé de Khloudov à cet autre fou? Oui? Sérafima Vladimirovna a été arrêtée? Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Si elle doit y passer, paix à son âme. Je vais pas risquer ma peau pour une femme. Hein? Notre Alexandre le Grand est un vrai butor. Moi, passer en jugement contre... Ah ben, compte là-dessus, Wrangel. Paris n'est pas Sébastopol. Et moi, je file à Paris. Et soyez tous maudits, vous autres. Maintenant, et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Korzoukhine, mais que se passe-t-il, monsieur le vice-ministre? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ainsi soit-il. Oh non, oh non. Oh Dieu! Et les enfants d'Israël partirent à pied de Ramsès pour Soukhot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants! Exode 12, versets 36 et 37. Vous, mon général? C'est bizarre parce que Korzoukhine était là à l'instant. C'est vous, monseigneur Africanus, qui m'aviez offert cette Bible à l'état-major. Et comment? Je me revois la lire, votre Bible, la nuit, par ennui dans mon wagon. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a recouverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. De qui est-il question là, dans ce passage? De qui? Vraiment. Ah, j'ai bonne mémoire. Et l'autre qui m'accuse, il dit que je suis fou. Et qu'est-ce que vous avez à rester planté là? Planté là, moi, mon général, mais je vous en prie. J'attends de voir notre commandant en chef. Et savez-vous vraiment qui vous attendez ici, maintenant? Qui donc? Les rouges. Oh non, si tôt, c'est impossible! Tout ce qu'il y a de plus sûr. Nous sommes là, à évoquer les saintes écritures, et pendant ce temps, la cavalerie rouge approche de Sébastopol au grand galop. Regardez. Regardez, Africanus. Seigneur, le ciel est en feu! Embarquez au plus vite, Africanus, embarquez! Thank you.
Le voilà volatilisé, l'évêque. Khloudov, je tenais à vous voir au plus vite. Tout le monde a pu fuir? La cavalerie a été attaquée par des paysans anarchistes. La plupart des nôtres ont échappé au massacre. De mon côté, j'ai voyagé bien calé dans mon wagon. Ceci dit, Excellence, il fait sombre comme à la cuisine. Que voulez-vous dire? Je comprends pas. C'est quand j'étais enfant. Un soir, j'entre dans la cuisine sombre et il y avait des cafards sur le fourneau. Je craque une allumette et pfff, il détale. Plus rien. L'allumette s'éteint. Alors on entend à nouveau le frottement de leurs petites pattes dans le noir. Et les revoilà. Les revoilà. Et pour nous, c'est pareil, ténèbres et frottement. Mais je me demande où on va, Excellence. Comme des cafards, sur une table de cuisine, tout droit dans le seau d'eau, plouf! Comme des cafards dans une cuisine, Excellence. On doit vous remercier, Khloudov, pour tout ce que vous avez fait pour la Crimée et pour tous vos talents de stratège. Mais à présent, je ne vous retiens plus. Je vais moi-même retourner à l'hôtel. Pour être plus près de l'eau. Persistez dans vos insolences. Et je vous fais mettre aux arrêts. J'ai prévu le coup. Mon escorte est là, juste derrière. Ah, ce serait un beau scandale. Mes hommes me sont très attachés, sans amour. On ne fait rien de bon à la guerre. Je vois, Khloudov, ce n'est plus de la folie. Depuis plus d'un an, c'est sous de tristes pitreries que vous dissimulez l'aversion que vous me portez. Je ne cache rien. Je vous déteste. Par envie ou par soif de pouvoir? Ah non. Non, rien de tout ça. Je vous hais parce que vous m'avez entraîné là où nous en sommes réduits. Où sont passées les forces alliées promises? Où est l'Empire russe? Comment avez-vous pu engager l'offensive sans de véritables forces organisées? Pouvez-vous seulement imaginer la rage d'un homme forcé d'agir alors que tout ce qu'il entreprend ne mène nulle part? Vous êtes la cause de ma maladie, Baron Wrangel. Mais est-ce bien le moment de parler de sentiments quand nous disparaissons dans le néant, vous et moi, pour toujours? Plouf! Je vous conseille de rester au palais. Ce sera la meilleure façon de disparaître. C'est une idée, oui. Je vais y penser. Eh bien, je ne vous retiens plus, général. Alors, on congédie ce fidèle serviteur. Moi qui pour toi me suis battu, qui pour toi ai versé mon sang, Tolstoï. Bouffon! Alexandre le Grand reste un héros, mais pourquoi donc casser des chaises, Gogol? Encore un mot, et je... Très bien. Allons. Nous nous reverrons, Khloudov. Un désert à présent, ce palais. C'est bien. Quelqu'un ? Personne. La question reste entière. Alors, Planton, tu pars ou tu ne pars pas? C'est absurde à la fin. Je vais te traverser comme mon train a traversé le brouillard hier dans la nuit. Tiens. Voilà, j'étais écrasé comme un cafard. Oh, pour l'amour du ciel! Accordez-moi une minute! Je vous en prie, entrez donc. Oui, je sais, c'est insensé. Mais on m'a promis que je pourrais vous voir en personne. Alors, comme tout le monde est sorti, eh bien, j'y suis entré. Que puis-je pour vous? À votre excellence! J'ai couru jusqu'ici pour vous faire part de crimes abominables commis par votre contre-espionnage. Je viens ici pour dénoncer la sauvagerie du général Khloudov. Pas mal. Oh, permettez-moi cette remarque. Vous êtes bien en vie, vous? Vous n'avez pas été pendu? Alors qu'est-ce qui ne va pas?
Vous faites plutôt bonne impression. Je vous ai déjà vu quelque part. Les raisons de vos plaintes. Et ne soyez pas lâche. Vous êtes venu pour parler, alors allez-y. Parlez. Oui. Avant-hier, à la gare, vous avez fait arrêter une femme. Oui. Oui, je me souviens, oui. Oui, je me souviens très bien. Et je vous reconnais, Goloubkov. Et vous veniez vous plaindre de moi. À qui? Au commandant en chef des armées. À son excellence, au baron Wrangel. Trop tard. Plus de général en chef. Plus de baron noir. Un seau plein d'eau. Et plouf, disparu dans le néant. Pour toujours. Plus personne à qui se plaindre de Khloudov. Le vestibule. Passez-moi le capitaine Golovan. Golovan, vous irez à l'instant au contre-espionnage. Il y a là-bas une femme que je vais arrêter. Et c'est ça, Korzoukhine? Oui, Sérafima Vladimirovna. Sérafima Vladimirovna Korzoukhine. Si elle n'a pas été encore fusillée, amenez-la-moi dans l'heure au palais. Si elle n'a pas encore été fusillée... Fusillée, vous avez dit? Oh non, si vous avez fait ça! Comportez-vous en homme, Goloubkov. Moquez-vous. Oui, je me comporterai en homme. Et si par malheur, elle n'est plus en vie, eh bien, je vous tuerai! Ce serait peut-être la meilleure des solutions, mais malheureusement, vous ne tuerez personne. Je vous tuerai! Tais-toi! Alors, tu as décidé de me suivre, hein? Le spectre. Hein? Allez, parle! Dis quelque chose au moins. Ce silence me tue. Ta foi! Planton, elle doit sonner métal. Allez, parle. Dis quelque chose, bégaye. Ou alors, disparais de ma vue à jamais. Je vais pas me laisser faire par une hallucination, non? Faut que tu comprennes. Krapiline, tu as glissé sous une roue qui t'a broyé les os. Alors y a pas de sens à t'accrocher à moi comme tu le fais. Tu m'entends? Mon soldat! Toi qui sais si bien parler, caca, Krapiline! Excusez-moi, mais à qui parlez-vous? Comment ça, à qui je parle? On va le savoir tout de suite. À personne? À moi-même? Dites, qu'est-ce qu'elle est pour vous, cette femme? Votre maîtresse? Non. Non, je... Je l'ai rencontrée par hasard et... Et je l'aime. J'ai été fou de la forcer à sortir de ce monastère. Elle était malade. Et pour la jeter dans la gueule du diable. Ah, oh, je suis un pauvre type. C'est vrai, ça. Pourquoi la pousser entre mes pattes? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusqu'ici, alors que le monde déraille? Vous venez encore vous plaindre. Elle est morte. Fusillée, un poids, c'est tout. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un ignoble monstre. Jésus-Christ en tenaille entre un gars bien vivant qui déroule des inepties depuis tout à l'heure et un planton mort qui se tait. Mais qu'est-ce qui me prend? Ah, mon âme se dédouble. J'entends des propos comme à travers l'eau et je m'enfonce dans la profondeur des eaux et ces salauds qui me tirent par les pieds dans les ténèbres. En présence, je vois. Je comprends tout. Tu es fou, Khloudov. Hein, tout s'explique. Les glaces de Tsongar, les sacs noirs, hein, les pendus, le gel. Et toi, destin, pourquoi ne cesses-tu de me traquer? Oh, Sérafima, pourquoi ne t'ai-je pas sauvé? Il est là, le voilà, le tueur aveugle. Qu'est-ce qu'on fait face à un démon? Pauvre idiot. Oh. Allez, tire. Rends-moi service, tire. Et toi, le spectre, laisse-moi. Il va peut-être réussir à me liquider, celui-là. Allez! Tire! Non, je vais pas te tuer, non. Tu me fais pitié, tu me fais horreur, tu dégoûtes. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Oh, j'entends quelqu'un. Golovan, peut-être. On va savoir.
Elle a été fusillée. Non, mon général. Elle est vivante. Sérafima est vivante. Où est-elle? Du calme. Oui, oui. Goloubkov. Pourquoi ne pas l'avoir amenée alors? Oui, vous pouvez parler devant lui. À vos ordres. Hier, vers 4h de l'après-midi, le général Tcharnota a fait éruption dans le local du contre-espionnage. Il a enlevé, sous la menace, la détenue Korzoukhine. Pour aller où? Pour aller où? Silence. Goloubkov. Où est-il parti? Tcharnota est monté à bord du navire, le Vitiaz. À 5h, le vaisseau a gagné la rade. Et puis la haute mer. Bien. Merci, Golovan, pour l'information. Elle est donc bien vivante, votre Sérafima. Oui, elle est vivante. Elle est vivante. Golovan, rassemblez l'escorte et l'étendard et embarquez sur le Sviatitiel. Je vous rejoins. Je me permets de vous faire observer, mon général. J'ai toute ma tête. Golovan, n'ayez pas peur. Je vous rejoins. À vos ordres. La voilà en train de voguer vers Constantinople, votre Sérafima. Oui. Oui. Vers Constantinople. Maintenant, je ne vous lâche plus. Regardez. Regardez les lumières du port. Emmenez-moi à Constantinople. Seigneur. Seigneur. Partons plus vite, Koutov. Entends-toi. Alors, le spectre. Maintenant que celui-là est content, j'ai enfin parlé avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Que je parte? Que je reste? Qu'est-ce que tu veux? Il ne répond pas. Il pâlit. Il recule, il s'enfonce dans le noir. Tu es malade? Hein? Khloudov! Tu délires! Laisse tomber! Il faut partir au plus vite, le spasticiel va appareiller et on sera trop tard! Sérafima, à Constantinople. Allez, partons. À Constantinople. À Constantinople. Sont incravables. Ils sont incassables, les pirouettes sur votre table. Achetez mes petits commissaires rouges, mes petits soviets. Amusez vos gamins. Mesdames, mesdames les Turcs, achetez pour votre enfant un diablotin rouge, un petit bolchevique sauteur. Combien votre truc, brave homme? 50, madame. 50 piastres? Oui, madame. Pour vous. Vous n'en voulez pas?
Retournez à votre harem, madame. Constantinople ! Cette ville est infecte. Maria Konstantinovna! Dites! Maria Konstantinovna! C'est moi! Votre ami Tcharnota! Mais qu'est-ce que vous voulez, Grigory Loukanovitch? Ce serait pour... Enfin, je voudrais miser à crédit sur Janissaire. Aujourd'hui, là! Mais enfin, vous savez bien que ça n'est pas possible, Grigory Loukanovitch! Oh! Allez, quoi? Je suis un voyou, peut-être! Un franc-maçon de Constantinople! Un parfait inconnu! Vous pourrez quand même faire confiance à un général qui tient boutique à l'entrée de la fête foraine! Non! Pour sûr, Grigory Loukanovitch! Mais parlez-en, Arthur Arthurovitch, il est là! Il se prépare! Arthur Arthurovitch! Arthur Arthurovitch! Oui, c'est à quel sujet? En quoi puis-je vous être utile? C'est pourquoi? Ah, vous. J'ai une demande à vous adresser. Voilà. Ah, vous savez. C'est niette. Quel mufle, cet Arthur Arthurovitch! Mais qu'est-ce que t'as à te barrer avant même que j'ai fini ma phrase, histrion? Ah, je sais parfaitement ce que vous allez me demander. Intéressant. Et qu'est-ce que j'allais te demander? En fait, c'est moi qui ai quelque chose à vous dire, Tcharnota. On aimerait bien savoir quoi. La maison ne fait pas crédit. Crédit ni que mou. Kakoldoulak! Quel brute. Clope! Ah, vous avez une punaise sur l'épaule, Grigory Loukanovitch. Ôtez-la! Au diable la punaise. Pas envie de l'enlever. Pas la peine. Qu'elle se balade où elle veut, ça ne me dérange pas. Ah, cette ville est infecte. Pourtant, j'en ai connu des villes. Ça oui, toutes sortes de métropoles, des cités fascinantes. Maria, des villes, monde. Ah oui, et qu'est-ce que vous avez vu comme ville, Grigory Loukanovitch? Dites. Mon Dieu, Kharkov, Rostov, Kiev, ah, Kiev est splendide. Son grand monastère brille dans la montagne. Et le Dniepr, Maria Konstantinovna. Une atmosphère inouïe, une lumière inoubliable, l'herbe des pentes, l'odeur des foins, les vallons, les larges fondrières le long du Dniepr, et les combats près de Kiev, des combats très beaux, la chaleur pas trop, et le grand soleil, vous imaginez, Maria, et des poux aussi, on en avait des poux, pour sûr. Sacré insecte que le pou! Mais qu'est-ce que vous racontez, Grigory Loukanovitch? Des saletés? Pourquoi des saletés? Faut s'y connaître en insecte! Alors? Cache d'amour, cache d'amour, cache d'amour, Goloubkov, le pou, c'est une bête à soldat! Un animal de combat, la punaise, elle est un parasite. Le pou avance en escadron, selon un ordre de bataille, et il charge comme la cavalerie. C'est alors un combat magnifique. Arthur Arthurovitch! Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça, vous? Oh, Arthur, tu es admirable. Ce n'est pas un homme, Arthur Arthurovitch. C'est une merveille de la nature. Et voilà, le roi de la course de cafards. Tu en as de la chance, Arthur.
à toi et ton peuple de Vénard. Tout réussi. Mais si vous recommencez avec vos allusions antisémites, Tcharnota, plus jamais, jamais je ne vous adresserai la parole. C'est bien ce que je dis. À vous les Hongrois, tout réussi. Dites, Arthur Arthurovitch, je compte liquider mon commerce. 50. 50. Quoi? 50 piastres. Mais tu te fiches de moi. Je les vends 50 piastres à pièce, les petits diables. Eh bien, vas-y. Vends-les. Alors, on continue à jouer les censures. Ah, mais je ne vous oblige à rien, Tcharnota. Vous ne savez pas votre bonheur de ne pas être tombé entre mes mains, Antoride, Arthur Arthurovitch. Dieu merci, général Tcharnota, ici, ce n'est pas la Tauride. Ici, ce n'est pas la Tauride. Prends-moi les cartouchières. Elles sont en argent. Va. Les cartouchières avec l'éventaire. 2,50 €. Chemje soglo. Marché conclu. Je vous en prie. Il est 5 h. Le spectacle va commencer. Mesdames, messieurs, prenez vos billets, prenez la ligne. Avancez, s'il vous plaît, Maria Konstantinovna. 2,50 € sur janissaire. Un jeu russe pratiqué à la cour impériale du jamais vu, première mondiale, la course des cafards. Merde, on crie. L'amusement préféré de la défunte impératrice Alexandra Fyodorovna à Tsarskoye Tsielo, course de cafard, corso del piatello, race of cockroaches. Mesdames, messieurs, la course est ouverte. Première épreuve. En course sous le numéro 1, perle noire. Numéro 2, janissaire, le favori. Второй фаворит, Яничар. Яничар! 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 Здравствуйте, Яничар! C'est trop tard, ils sont déjà partis. Mais non, t'as le temps, mon gars. Mon gars, t'as le temps. Numéro 3, Baba Yaga, sorcière. Traité, Baba Yaga. Numéro 4, ne pleure pas, enfant. C'est bordé, ne plage, dit. Numéro 5, forfait. Fiat Lux. Fiat Lux, niet. Numéro 6, Hooligan. Chestor, Hooligan. Et numéro 7, un candidat de dernière minute. Oh. Bouton de culotte. Zedmoy, Pogovitz. A trap, it's a trap. It's a swindle, a swindle. C'est une arnaque. C'est une escroquerie. I beg your pardon. Une escroquerie, ma course de cafards? Non, il n'y a aucune triche. Mes cafards courent sur une piste ouverte, un numéro sur le dos. Ils vivent dans une petite boîte scellée sous la surveillance d'un professeur d'entomologie. Le professeur Mikhail Mikhailovitch de l'université impériale de Kazan, échappé par miracle des geôles bolcheviques. Parieur, parieuse, le spectacle va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, yeah! C'est parti! Bizarre, pas bizarre! Et on lance la vapeur, et bouton de culotte a pris l'avantage. Baba Yaga bien placé à la corde, Hooligan progresse, ne pleure pas, enfant, assure à la corde. Comment ça? Janissaire, il cafouille. C'est pas possible. Missy de la trèche. Arthur Arthurovitch, il est su, les janissaires à la pierre. Il faut le tuer. C'est Arthur Arthurovitch. Il faut le tuer. Janissaire, il est la tremblote. Janissaire qui court de traviole.
On n'a jamais vu ça. Un cas par sous, c'est absurde. Un cas par sous, ça n'existe pas. À l'aide. À l'aide. Vendus, corrompus. Écoutez-les, voyous. On a tous parié sur Janissaire. Au secours. Au secours. On maîtrise. On m'assassine. Putain de cafard. Putain de course. Je suis foutu. Ratissé, j'ai tout perdu. Elle va me mettre en pièces. Elle va m'exterminer, la Liouska. Et si je foutais le camp? Et pour aller où? Tcharnota, on n'est pas en tauride ici. On fuit pas comme ça. Voilà là. Beauté céleste. Mes respects, mon général sans armée. Salutations à vous. Bonsoir, madame la Barabantchikova. Vous êtes venue jusqu'ici. Bonsoir, Liouska. Pourquoi rentrer si tôt? À votre place, héros de l'armée blanche, j'irai traîner mes guêtres jusqu'à minuit. À la maison, c'est morose. Rien à bouffer, pas de fric. À voir ton visage expressif. J'imagine d'heureuses nouvelles. Tiens, plus d'éventaire? Plus de cartouchière? Ah, bah, je crois comprendre. Alors, passe-moi l'argent, Tcharnota. On n'a rien mangé depuis hier avec Sérafima, alors sois aimable, passe! Elle est où, Sérafima? Hey, c'est pas le sujet. Elle fait sa lessive. Allez, Tcharnota, passe-moi l'argent! Mais c'est la catastrophe, Liouska! Non, pas possible, pas possible. Où sont passées les cartouchières? Je voulais les vendre. Je les ai posées par terre un instant au grand bazar. Et puis... Et puis on t'a tout volé? Ouais. Oh. Ce serait pas un gros barbu par hasard qui aurait fait le coup? Un gros barbu, pourquoi? Bah ouais. Ouais, paraît qu'il y a un gros barbu qui rôde avec les voyous du grand bazar. Alors, parole d'honneur, on t'a tout volé. Non, mais tu sais ce que t'es, Grisha. Tu sais ce que t'es. Le pire des salopards. Comment peux-tu oser? Mais j'ose. Parce que ce matériel a été acheté avec mon argent. Nous sommes mari et femme, on met tout en commun. Ah ouais? Ah, le commerce des petits diables, pour monsieur. Et un tout autre commerce, pour madame. Qu'est-ce que tu dis? Fais pas ton naïf, Tcharnota. L'autre jour, avec le français, c'était pas pour chanter des psaumes. Quelqu'un m'a seulement demandé d'où je tenais mes 5 livres sterling. On y a vécu toute la semaine sur ce fric, Sérafima, toi et moi. Et ajoute à ça que les cartouchières élémentaires n'ont pas disparu au grand bazar, mais aux courses de cafards. Allô?
si on fait le bilan. Le proche chevalier Tcharnota, pourfendeur du contre-espionnage russe, il a dû quitter l'armée, et le voilà qui crève de faim à Constantinople, et moi avec. Tu vas quand même pas me reprocher d'avoir sauvé la vie de Sérafima. Bah non. Non, la belle Sima. Rien à lui reprocher à la belle Sima. Elle soupire après son Goloubkov, disparu lui, sans donner de nouvelles. Et toi aussi, tiens, l'illustre général, lui là, le protecteur, lui aussi n'a qu'à se laisser vivre au crochet de Liuska, la traînée. Liuska. Oh. Oh non. Alors ça. Ça, c'est pas digne de toi, Sérafima Vladimirovna, de nous espionner. Je n'écoutais pas. Je n'écoute pas les conversations, c'est le hasard, et c'est tant mieux. Pourquoi ne m'avoir rien dit au sujet des 5 livres? Non mais, arrête de faire ton innocente. Mais t'es aveugle ou quoi? Mais je te jure que je n'ai rien vu. Je pensais que c'était lui qui avait apporté l'argent. Je te les rendrai, je les gagnerai, Liuska. Non, pas de grandes phrases, ça va. Ne me fâche pas. On va pas disputer. Et regardons la situation en face. Ah bah c'est tout vu. Demain, les Grecs vont nous foutre dehors, on a tout vendu, il n'y a plus rien à bouffer. Et je peux pas me calmer, voilà. Je peux pas me calmer. C'est lui qui me pousse à bout. À vous. T'as tout perdu au jeu? Oui. Pauvre type! Mais mets-toi à ma place! Je peux pas faire vendeur de jouets! Je suis un soldat. Laisse Liuska, calme-toi. Un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que ça peut nous faire? Un destin mauvais nous emporte. Oh, le lyrisme, à présent. Alors, t'es allé avec le français? Fous-moi la paix. Du calme, arrêtez de vous disputer. Je vais vous rapporter de quoi dîner. Laisse tomber. Sima, laisse tomber. T'occupe pas des affaires des autres. Je me prends pas mal. Je peux pas, moi, rester comme ça ici à crever de faim. Ouais. Moi, j'ai pas de principe, moi. Pas question que je vive un parasite. J'ai faim, moi aussi. Je verrai ce que tu fais pour gagner de l'argent et je resterai là sans bouger. Quelle bassesse. Tu aurais dû tout me dire, Liuska. On partage le malheur et le reste. Tcharnota n'a qu'à vendre son revolver. Plutôt vendre mon pantalon. Je vendrai tout Sérafima, mais pas mon revolver. Sans lui, je peux pas vivre. Évidemment, il te tient lieu de cervelle. Oh, c'est tellement plus simple de se faire entretenir par sa petite femme. Ne me provoque pas! Ose me toucher, et cette nuit, je t'empoisonne! Arrêtez de vous battre, tous les deux. Je vous ai dit que vous aurez de quoi dîner. C'est la faim qui vous rend sauvage. Oh non, mais qu'est-ce que tu vas inventer, pauvre idiote? Je suis plus une idiote. Je l'ai été, ça oui. Quelle importance est-ce qu'on vend? C'est si peu de choses. Attendez-moi. Chut. Et sans vous battre, par pitié. Sérafima! Oh, Sima! Sérafima! Cette ville infecte, ces punaises, ce Bosphore. Et toi, là? Tais-toi. Je te déteste. Moi aussi, je me déteste. Et puis, de toute façon, je déteste tout le monde. Et tous les Russes et tous les exilés, je les déteste. Je déteste tout le monde. Moi, je me déteste pas, je déteste les Russes, je déteste pas les exilés, je les déteste, c'est ma faute. Ah non, mais alors toi, et toi? Moi, je te déteste. Oh! Oh! Partir,
Partir ? Mais où ? À Paris ? À Berlin ? Ou alors Madrid ? Je connais pas Madrid. Mais je parierais bien que c'est un trou. Quel rapia, c'est grec. Ça fume ses sèches jusqu'au bout, salaud. Pas d'accord avec elle. Les Russes valent mieux, bien mieux. Tu vas arrêter de me crever le cœur avec ta musique, sale gueule de Turc. Non, c'est pas vrai. Grigori Lukanovitch Tcharnota. Ah, je savais bien que je finirais par vous retrouver. Quoi, c'est toi, professeur? J'ai trouvé. Tu m'as retrouvé, pour sûr. Je t'avais pris pour un Turc. Goloubkov. On te croyait resté chez les bolcheviks. Mais de quoi tu as l'air? Tu as vieilli. Tu as disparu où pendant 6 mois? J'ai moisi dans un camp. J'ai attrapé le typhus. Mes 2 mois d'hôpital, ils m'ont rasé le crâne, etc. Et maintenant, j'erre dans Constantinople. Tu sais que Khloudov est chez moi. Il a été dégradé et puis exclu de l'armée. Moi aussi, l'ami. Je suis dans le civil. On en a vu des choses. Un orgue de barbarie. C'est pas mal. Un orgue de barbarie. C'est l'astuce. J'entre dans les arrière-cours. Je joue. Et je la cherche. Merci. Ah non, je ne fume pas. Dis-moi. Elle est morte. N'aie pas peur, tu peux me le dire, je suis prêt à tout entendre. Sérafima, pourquoi morte? Elle a guéri. Oh. Elle est bien vivante. Comment je l'ai retrouvée? Je l'ai retrouvée! Évidemment qu'elle est vivante, mais je dois te dire une chose, Goloubkov. Ici, c'est la mouise. On est au bout du rouleau. Et où est-ce qu'elle est, Sérafima? Pas loin. Elle va revenir. Elle est allée à Péra. Lever des types. Quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? On crève de faim, nous, ici! Plus de cartouchière! Plus un sou, plus rien! Mais comment ça, elle est allée à Péra lever des types? Tu mens. Quoi, tu mens? J'ai pas vraiment fumé depuis ce matin, moi. Je sens que je vais partir pour Madrid. J'en ai rêvé cette nuit. Mais non! Mais non! Tout ira très bien. Nous allons bavarder ensemble. C'est un peu le sou que nous vivons, vous verrez, mais... C'est charmant, très charmant! Je crains de vous déranger, madame. Et permettez que je vous présente le général. Tcharnota, c'est en convenance que vous faites. Enchanté. Monsieur le Grec! Oh mon Dieu! Oh, je vois bien, je suis tombé dans un piège chez des voyous! Pardonnez, monsieur, pardonnez, pour l'amour de Dieu, c'est un horrible malentendu! Fichez-moi le camp, tout de suite. Oh mon Dieu! Oh, tiens, mon... Tenez, prenez mon portefeuille et ma montre. Je tiens la vie, j'ai la famille, les enfants, le magasin, vos grands... Parole, je dirai rien à la police. Et louons le Seigneur. Hors d'ici! Et tu reprends ton bazar, là, le Grec.
pensé à vous il y a une heure. Brillante apparition. Et vous, qu'est-ce que vous faites de vos journées, Sérafime? J'ai traversé la mer. J'ai fui. J'ai attrapé le typhus. J'ai fait 6 mois d'hôpital. On m'a rasé le crâne. Là. Regardez. J'ai fait tout ça pour te retrouver. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais qui vous a permis de m'adresser des reproches? Je t'aime. Je t'ai cherché partout. Pour te le dire. Laissez-moi. Je veux plus rien écouter. J'en ai assez. Pourquoi vouloir me rejoindre, Sergueï? C'est la misère ici! Je veux pas de vous. Je veux être seule. Et me perdre. Honte, mon Dieu. Honte et déshonneur. Sérafima, non, non, partez pas, partez pas, partez pas, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, partez pas! Rien ne me fera revenir! Mais c'est comme ça, je veux plus la peine! Ouais, t'es pas bien ou quoi? Tu veux finir en taule là? Laisse-moi! De toute façon, je la retrouverai, je la retiendrai. Ça va. Pour du spectacle, bah alors là, c'est du spectacle. Les Grecs n'en viennent pas. Allez, oh là là, Tcharnota, ouvre-moi un paquet. J'ai faim. Non, 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 non. Ne touchez pas à ça. Il ne touchera pas. Alors là, mes petits messieurs, ma patience est à bout. J'aurais bu le calice de Constantinople jusqu'à la lie. Mais à présent, oh là là. Eh ben ça suffit. Ça suffit. Tcharnota. Tous mes voeux t'accompagnent. C'est terminé entre nous. Moi, Lyuska, j'ai des relations à l'Orient Express. J'ai été bien folle de rester 6 mois à croupir ici. Adieu! Tu vas où? À Paris. Ouais. Paris! Oh là là, Paris! 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 Adieu! Thank you.
C'est pas vrai. Roman Khloudov. Regarde. Plus de cartouchière. Je suis un homme libre, moi aussi. J'ai vu. Salut. Tcharnota. Décidément, je suis à la trace. Celui-là, je l'ai soigné et il s'est mis en tête de me guérir. Et puis, il joue de son gringrin. Alors, toujours rien. Si, si, je l'ai retrouvé. Mais me pose pas de questions, me demande rien. Je ne me mêle de rien. C'est ton histoire. Je voulais savoir si tu avançais, c'est tout. Je vais te demander une chose. Toi seul en es capable. Rattrape-la. Elle s'est enfuie. Retiens-la. Protège-la. Et évite qu'elle finisse sur le trottoir. Pourquoi ? Fais-le toi-même. Non, ici, dans cette arrière-cour, j'ai pris une vraie résolution. Je pars. Je pars pour Paris. Je vais retrouver Korzoukhine. C'est son mari. Il est riche. Il doit l'aider. C'est à cause de lui qu'elle en est là. Comment comptes-tu partir ? Qui va te faire passer en France ? En clandestin. Ce matin, je jouais sur le quai et un capitaine s'est intéressé à moi. Il m'a dit qu'il me prenait à fond de cale jusqu'à Marseille. Et moi ? Je vais devoir la surveiller longtemps, la Sérafima. Je reviendrai assez vite. Je te jure qu'après, je te demanderai plus rien. Elle m'aura coûté cher, cette gare. Ah, il est pas mal le chaperon à Sérafima. Ne le regarde pas. Oh, il se bat contre un fantôme. Et elle est partie où cette femme ? Simple. À Chichli, à la boutique du Grec, pour présenter des excuses. Je le connais, ce Grec. Bien. Surtout qu'elle ne finisse pas sur le trottoir. Ah, ça jamais, si je m'occupe d'elle. Un jour, un soldat m'a dit « Comment qu'on peut échapper à toi, Khloudov ?» Mais laisse tomber le passé. Goloubkov, tu n'as pas d'argent. J'ai pas besoin d'argent. Arrête de faire l'idiot. Tiens. Prends ces deux billets. C'est tout ce que j'ai. Et ce médaillon aussi. Tu pourras toujours le vendre. Prends. Fait déjà noir ? Oh, Constantinople, quelle ville atroce. On étouffe ici. Qu'est-ce que j'ai à traîner là, moi ? Allez, cette nuit, je pars. Je pars avec toi. On fera pas d'argent, je compte pas là-dessus, mais faut bien aller quelque part. J'avais pensé Madrid. Mais Paris, c'est plus convenable. Ils vont en faire une tête, nos logeurs grecs. Jamais un peu de fraîcheur, ni le jour ni la nuit. Allez, Goloubkov, va pour Paris. Thank you.
Antoine, Monsieur Marchand m'a fait dire qu'il ne viendrait pas aujourd'hui. N'ôtez pas les couverts. Je me servirai plus tard. Mais Antoine répondait quelque chose. Là, vous n'avez rien compris, apparemment. Dites-moi ça en français. Antoine, vous êtes bien de ces Russes paresseux. Ça, c'est ici qu'Antoine, à Paris, on s'exprime en langue russe pour dire des insanités. Ou pire, des slogans subversifs. Et ça n'est pas très apprécié. Apprenez le français, Antoine, c'est lassant à la fin. Qu'est-ce que vous faites, là, en ce moment? En ce moment, j'astique. Vous astiquez, oui. Comment dit-on « nagit » en français? Écoute, par mon élection. Travina, Antoine. Ah. Oh, apprenez à parler le français. Faites entrer. Si par chance c'était un partenaire de jeu, je reste à la maison aujourd'hui. Je souhaiterais m'entretenir avec Monsieur Korzoukhine. Bajalou, c'est vache, vous êtes au cardisco. Vous êtes russe, vous avez pris pour un français. Так точно, я русский. Je m'appelle Grishenko. Grishenko, très bien. Ah, ce n'est pas de carte de visite, mais veuillez annoncer Goloubkov de Constantinople. Monsieur Goloubkov de Constantinople. Bah, qui est ce Goloubkov? Goloubkov, en quoi puis-je vous être utile? Vous ne me remettez pas. Vraiment? Bon, il y a un an, nous nous sommes rencontrés dans une gare, en Crimée. Une nuit épouvantable. Votre femme venait d'être arrêtée, et maintenant elle est à Constantinople, dans la misère. Ah, dans la misère? Alors, pardonnez-moi, monsieur, mais d'une part, je n'ai jamais eu d'épouse, et d'autre part, je n'ai aucun souvenir de cette gare. Vraiment? Non, mais si, c'était la nuit, il faisait un froid terrible. Les rouges venaient de prendre la Crimée. Non,
pas le moindre souvenir. Vous devez faire erreur. Mais comment... Vous êtes bien Paramonidis Korzoukhine. Bon, je ne rêve pas. Vous étiez en Crimée, moi je vous reconnais. Oui, j'ai en effet passé quelques temps en Crimée, sous le commandement de généraux moins qu'il est fou. Mais voyez-vous, je suis parti. Et je n'ai plus aucun lien avec la Russie. Et je ne souhaite pas en avoir. Sachez, cher monsieur, que je suis à présent de nationalité française. Et que je n'ai jamais été marié. Oh, je ne vous cacherai pas que j'ai chez moi, depuis 3 mois, une secrétaire particulière, une émigrée russe, qui elle aussi a été naturalisée sous le nom bien français de Preljocaj. Cette charmante personne ne m'est pas indifférente. Et je suis sur le point de l'épouser. Vous comprendrez aisément, monsieur Goloubkov, que toute allusion à l'existence d'une femme que j'aurais eue serait absolument déplacée. Préjol, vous reniez la femme qui a fui pour vous rejoindre. Vous savez qu'elle a été arrêtée. Rappelez-vous, la nuit, le froid, les réverbères, la lune bleue. Vous vous souvenez, non? Oui, c'est ça. La lune bleue, le froid, les réverbères. Une fois, déjà, le contre-espionnage a tenté de me faire chanter sous le prétexte que j'aurais eu une épouse communiste. Non, donc, cette conversation, monsieur Goloubkov, est tout à fait malvenue. Je vous le ravis. Non, mais je rêve. Sans l'ombre d'un doute. Écoutez, je comprends. Cette femme vous gêne, mais c'est très... Écoutez, franchement, c'est très bien. Hein, Sérafima Vladimirovna n'est pas votre épouse, tant mieux, c'est parfait. C'est mieux ainsi parce que, vous savez, je l'aime, moi, oui. Et je ferai tout pour la sortir de cette misère noire dans laquelle elle est tombée. Je vous demande juste de l'aider, provisoirement. Vous êtes riche. Si, si, tout le monde sait que vous allez placer vos capitaux à l'étranger. Prêtez-moi $1,000. $1,000, je vous les rendrai, je vous le jure. Dès que nous aurons retrouvé une meilleure situation, je vous jure, j'en ferai le pute de ma vie, je les gagnerai et je vous les rembourserai. Non, mais je vous demande pardon, Goloubkov, hop, oh, 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 mais je me doutais bien que cette histoire improbable de femme imaginaire mènerait à tous les coups à une affaire de dollars. 1000, dites-vous, j'ai bien entendu. $1,000, je vous les rendrai, je vous le jure. Ah, jeune homme, avant de vous parler de $1,000, il me faut vous raconter ce qu'est $1. Le dollar, ce grand esprit dans sa toute-puissance. Le dollar est partout. Regardez, là-bas, au loin, sur les toits, un rayon d'or. Et pas loin, haut dans les airs, un chat noir qui se voûte. Une gargouille fabuleuse. Il est là, le dollar. Et la gargouille veille sur lui. Le dollar. Sensation confuse, bruit continu et flou, une ample respiration de la terre, des trains filent comme des flèches et transportent le dollar. Fermez les yeux à présent. Imaginez dans les ténèbres une vague qui roule, une vague haute comme une montagne. Imaginez ces ténèbres et la force de l'océan, terrible, qui va tout engloutir. Alors, au milieu de cette mer, dans un chuintement de chaudière, un monstre s'avance. Il soulève des tonnes d'eau. Il avance, gémit, et sur son dos, il porte le feu. Le monstre fend la haute mer avec peine et dans la salle des machines infernales, là où manœuvrent les soutiens nus. Il transporte son cœur divin, le dollar. Tout à coup, le monde entier tressaille. Oh, voilà qu'ils se mettent en marche. Ils sont des milliers, des millions, avec des parures, des tenues magnifiques, des casques d'acier. Ils se jettent en hurlant sur les barbelés. Pourquoi cette manœuvre? Parce que quelque part, on a offensé le divin dollar. Tout s'apaise à présent. Partout dans les villes, les cuivres retentissent. En l'honneur du dieu dollar. Écoutez, écoutez. On exulte. Écoutez, le dollar est vengé. Voilà pourquoi, monsieur Goloubkov,
Vous n'insisterez pas pour que je remette au premier venu que vous êtes une liasse de 1000 $? Tenez, en effet, monsieur, je n'insisterai pas. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur, avant de partir, que vous êtes un homme sans cœur et l'être le plus ignoble qu'il m'ait été donné de rencontrer dans ma vie. Vous serez puni tôt ou tard. C'est écrit. Adieu. Général Tcharnota ! Oh ben c'est la journée des Russes ! Faites entrer, Antoine, faites entrer ! Proxime, proxime. Salut, Korzoukhine ! Mon ami ! Mon petit paramon ! Mon paramoshka ! À moi. Ben, nous nous serions déjà rencontrés. En voilà une question. Tu rêves, Paramon ? Et Sébastopol ? Alors ? Oh, ah oui ! Ah oui, ravi de vous voir. Excusez-moi, mais c'est au cours d'une soirée arrosée que... Une soirée ? Non. Je ne vois pas. Mais si on s'est rencontrés, on a dû boire. Ah ben, vous êtes venu jusqu'ici en caleçon ? Ça t'étonne ? Note que je ne suis pas une femme. Ça... Ce serait indécent chez une femme. Enfin, quoi ? Vous ? Vous êtes général ? Et vous vous êtes promené dans cette tenue dans les rues de Paris ? Eh oui. J'ai pas attendu d'être chez toi pour retirer mon pantalon. La question est idiote. Pardon. Pardon, en effet. Ah, mais c'est qui celui-là ? Arthur Arthurovitch, roi des cafards. Alors, il a casqué ? Non, je m'en vais, sortons. Pour aller où ? Qu'est-ce qui se passe ? Paramon ! Tes compatriotes sont là, devant toi. Ils ont combattu les bolcheviks pour toi et tu leur refuserais une somme insignifiante. Tu as bien saisi que Sérafima crève de faim à Constantinople. Tais-toi, Grigori, pardon. Tu sais, Korzoukhine, je suis un sale type. Je pourrais m'enrôler chez les bolcheviks juste pour te faire fusiller. Juste pour ça. Après, je repasse du côté des blancs. Attends. Ce sont des cartes que je vois. Tu es joueur ? Rien d'étonnant, je joue et j'aime ça. Tu es joueur, tu joues à quoi ? Au 9 gagnant, figure-toi. Oui, parce que j'aime ça. Alors, on fait une petite partie ? Oh ben, ça serait avec plaisir. Mais je ne joue que pour de l'argent. Oh, allez, arrête de t'humilier, Grigori, je t'en prie, partons. Je ne vois rien d'humiliant à l'aventure. Est-ce qu'on t'a pas dit en cas d'extrême nécessité, c'est ce qui se passe ? Il n'y a pas plus extrême comme situation. Passe mal le médaillon de Khloudov. Tiens, le voilà, au point où j'en suis. Et moi, je m'en vais. Pas question, nous repartirons ensemble. Je ne te lâche pas. Avec la tête que tu as, tu irais te jeter dans la Seine. Combien pour le médaillon ? Ah ! Oh, jolie chose. Eh bien, disons 10 dollars. Tout de même, Paramon, l'objet vaut bien plus. Mais tu n'es pas connaisseur à ce que je vois. 20 pour 10 dollars. Il s'appelle comment, ton larbin ? Antoine ! Antoine ! Apporte de quoi manger, mon gars ! Il a ratchouillé. Alors, on joue combien ? Eh bien, disons... 10 dollars, carte ! Neuf. Je double la mise. Une autre carte ? Oui. 5. Soit. Quitte ou double ? Cinq. Quoi ? Non ! Qu'est-ce que tu fais, Grigori ? Arrête ! Non, 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 il va tout te prendre ! Écoute, si tu sais mieux que moi, prends ma place ! Je ne sais pas jouer. Alors pousse-toi de mon soleil. Carte ? Oui. Oh merde, c'est le joker ! J'ai 3 points ! Vous ne faites pas de rentrée ? Parfois, ça dépend.
Un petit verre, Goloubkov? Oh, moi, pas envie. Et toi, Paramon? Non, merci, j'ai dîné. Bien, bien. Carte? Oui. Vous suivez? $160? $160. Je suis. Veuillez payer comptant, s'il vous plaît. Non. Tcharnota, arrête. Laisse tomber. Sois gentil, Goloubkov. Trouve-toi une occupation. Va regarder un album. Le cash, s'il vous plaît. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est la lampe. Ah, d'accord. Vous pouvez y aller, Antoine. C'est moi qui ai ouvert. Belle mécanique. On reprend? 8. Vous suivez? $640? 640. La banque n'accepte pas l'enjeu. Oh, vous jouez bien. Combien misez-vous? 50. 50. Allons-y. 9. Que pour payer? Je vous en prie. 590. 590. Tu as le démon du jeu, Korzoukhine. C'est ta faille, ton point faible. Arrête, tiens, otage, t'en prie, on s'en va maintenant. J'ai un 7. Ah, 7 et demi. Je plaisante. 8. Sera mortel. Trois cartes. La dame de pique, vous savez, notre grand Tchaïkovski, le destin, Herman, la vieille comtesse, la mort du joueur. Je passe. 400 pour moi. En jeu, à 3000. 3000. Paris, plongé dans une onde bleue. Bien. Yeah. Hey. Le cash. Hey. Je n'aurais pas un peu de papier journal pour emballer tout ça? Non, je n'ai pas les journaux. Oh, rendez-moi les billets et je vous fais un chèque. Bah, voyons, Korzoukhine, vraiment? Tu crois qu'une banque va remettre $20,000 à un gars en caleçon? N'y compte pas! Et Tcharnota, rachète-lui le médaillon, je vais le rapporter. $300 le médaillon. 300! Tiens. Eh bien, salut Paramoche. Alors, on s'est un peu incrusté chez toi. Maintenant, on file. Non, attendez, je délire. Je crois que j'ai de la fièvre, je ne comprends plus rien. Oh, si. Vous avez abusé de ma faiblesse, de ma sensibilité. Rendez-moi mon argent et je vous donne à chacun $500 de dédit. Ah, tu plaisantes, s'exclama l'animal rusé. Hein, ça c'est dans la fable Le Loup et la Grue. Crie-le ! Alors là, j'appelle la police et je dis que vous m'avez cambriolé et vous serez arrêté, illico presto, pauvre minable. J'entends ça, Goloubkov. Allô ? Eh bien, Paramon, fais ta prière à Notre-Dame de Paris. Ta dernière heure vient d'arriver. À moi, au secours! Et tout le monde dort dans cette maison. On me dépouille, on me tue, et personne ne bouge. À moi! Au secours! Au secours! Oh, vous dormiez, ma Lucie. Et moi? Je me fais dévaliser par des voyous russes. Cauchemar. Moi qui croyais enfin être débarrassé du bazar russe. Moi qui croyais enfin avoir le droit de me reposer. Mais non. Voilà que ça recommence. J'ai rêvé de cafards cette nuit, c'est pas par hasard.
Oh, messieurs. Oh, messieurs. Ah non, mais comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? J'aimerais savoir. C'est elle. Niuska. Vous connaissez Mademoiselle Fréjol? Mais non. Alors, mais... Oh là là, je sais pas. D'où pourrais-je connaître Mademoiselle Fréjol? Aucune idée de qui elle est. Aucune idée. Aucune idée. Eh ben alors, je me présente. Lucie Fréjol. Général Tcharnota. Arthur Arthurovitch, roi des cafards. Et lui, c'est Goloubkov. Bon, eh bien, messieurs, mais quel est le litige, hein? Et toi, oh mon petit loup, oh mon petit rat, pourquoi tu criais si fort? Oh, on t'a fait du mal! Oh, il m'a gagné 20 000 $, celui-là, et je veux qu'il me les rende. Abject. Ah, mais non! Ah là, ah, ça ne se fait pas! Oh, mon petit crapaud! Eh bien, voilà, tu as perdu, tu as perdu. Bah oui, tu n'es plus un petit garçon. Mais laisse-moi savoir où Antoine a acheté les cartes. Ah, Antoine... Enfin... Non, mais dans quelle tenue vous présentez-vous devant moi? Oh, Antoine! Allez au diable! Bon... Monsieur, mais il n'y a aucun malentendu. Eh oui, oh bah oui. Et toi, mon petit loup, hein, mon petit rat. Allez, va dormir. Va dormir, tu as des cernes sous les yeux. Cet idiot d'Antoine, je vais le virer. Idiot! Idiot! Et qu'il ne s'avise plus jamais d'introduire un seul russe chez moi. Oui, messieurs. Messieurs, j'ai été ravie de rencontrer des compatriotes. Et je suis sincèrement désolée d'être amenée à ne plus jamais vous revoir à l'avenir. Vous avez le pactole. Fichez-moi le camp. Antoine, ces trois messieurs nous quittent. Accompagnez. Antoine. Au revoir, Mademoiselle Fréjol. L'amour a surgi devant nous, comme surgit l'assassin d'une ruelle obscure. Et il nous a frappés tous deux comme la foudre, comme le poignard. Adieu. Merci, mon Dieu. Ils sont partis! Mais quand aurai-je enfin la paix? Adieu! Goloubkov, prends soin de Sérafima! Et toi, Tcharnota, achète un pantalon! Ne jamais un seul russe chez moi! Plus jamais! Un seul russe chez moi! Cesse de me tourmenter. Dis-moi, comment tu as fait pour t'évader de l'enfilade des réverbères, pour échapper au repos éternel? Tu n'étais pas le seul. Ah non. Vous étiez nombreux à pendre dans vos sacs. Souviens-toi d'eux. Seigneur,
Souviens-toi d'eux. Avoir fait tout ça pour rien. Allez. Faut plus y penser. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Après la catastrophe, il faisait noir et on s'en est sorti. C'est tout. Qui est là? C'est moi, Sérafima. Ça fait 2 mois que je vis près de vous. Je vous entends parler la nuit. Vous délirez, mon pauvre Khloudov. C'est la défaite. Nous avons perdu la guerre. Nous avons été jetés dehors. Et pourquoi nous avons perdu? Vous le savez, vous. Là-bas, j'ai commis des crimes terribles. Le jour où Goloubkov est parti, vous m'avez ramené de force. Vous vous souvenez? Vous étiez tous devenus fous. Mais Khloudov ne peut plus faire de mal à personne. Vous vous souvenez? Khloudov le chacal, Khloudov la bête féroce. Combien de temps on va encore rester là? Goloubkov va revenir et tout rentrera dans l'ordre. Je vous confie à lui et chacun sa route. Fin de l'histoire. Comme il me manque. Il est perdu, peut-être mort. Votre mari là-bas, il a de l'argent. J'ai plus de mari. Je l'ai effacé, je le maudis. Dire que je l'avais entre les mains, le Korzoukhine, et je l'ai laissé filer. C'est décidé. Les Cosaques sont autorisés à rentrer en Russie. Cette nuit, je pars avec eux. Brillante idée. Oui, le retour. Vous n'avez rien fait aux bolcheviks, vous pouvez tranquillement rentrer en Russie. Qu'allez-vous devenir, Roman? Moi aussi, je vais rentrer. Je me présenterai devant eux. Khloudov, c'est moi. Et je suis de retour. Ils vous fusilleront. Sur le champ, en manche de chemise, imaginez un peu. Un sous-sol, un soupirail, la neige, et ta-ta-ta-ta-ta, terminé. Qui est là? C'est eux. C'est bien eux. On retourne tous les trois. Et Goloubkov est là aussi, c'est parfait. C'est un film. Sima. Bonjour. Je vous croyais disparu. Vous m'avez tellement manqué. Que s'est-il passé pendant ces 18 mois? Avons-nous rêvé? Dis-moi. Nous avons fui? Où? Pourquoi? Je veux revoir ma rue, Karavanaya. Je veux voir la neige. Tout oublier comme si rien de tout ça n'avait existé. C'était qu'une illusion, c'était qu'un mauvais rêve. Dans un mois, nous serons en Russie. Il neigera, et la neige effacera nos pas. Tu as vu mon mari à Paris? Oui. Oublie-le, il y a une autre femme. Et c'est Yuska. Comment? Préjol, une actrice française. Oh, ça n'a pas d'importance. Tu es libre. Allez. Adieu, Roman. Adieu, tous. Le destin nous sépare. Les uns rentrent se faire tuer, les autres rejoignent Pétersbourg, et moi, je reste. Je ne rentre pas. Je suis le juif errant, le hollandais volant, un pauvre chien. Salut. Alors voilà. Il danse encore, le roi des cafards? Salut à toi. Arthur Arthurovitch. Pour vous servir, général.
En ville. À la ville comme à la ville, l'ancienne ville est morte. La ville à Milan. Les pavés brûlent, le Kremlin est désert, les jours sont autres. On rêve tout éveillé. La cloche de la cathédrale sonne. Don, don, don. Et la vieille princesse restera avec ses larmes parmi ses coffres, à manier ses menus objets et à remuer ses souvenirs. Enfin débarrassé d'eux. Oui. Oui, oui, tout de suite. Tout de suite, Krapiline. Ah, le planton, comme il est pâle. Il s'en va. Le voilà disparu. Empire de fange. Empire de pourriture, course de cafards. Thank you.